Je suis né au pays des fourneaux, des machines, où y a des cheminées qui crachent un feu d'enfer, où le ciel est toujours gris de digues en colline, traîne sa mélancolie des Ardennes à la mer. On marchande, on négocie, tous les jours c'est la crise. Les prix sont à la hausse, à l'église, les bigots, les pubs à la télé, les rêves dans les valises. Et il n'y a plus personne au passage à niveau. Mais c'est un beau pays où il y a des gens que j'aime, qui n'ont pas peur du vent et pas peur de l'hiver, qui ont le cœur sur la main, même s'ils jurent et blasphèment en faisant couler la bière des Ardennes à la mer. Dans la prairie là-bas, on nettoie, on défriche, et au café du coin, on a le verbe haut. Paraît que les voisins vont vendre la pouliche et que le fils cadet va les quitter bientôt. Il ira à la ville comme ont fait tous ses frères, cherchera du travail et n'en trouvera pas. Il passera son temps à crier sa colère, à retrousser les filles et fumer son tabac. Mais c'est un beau pays où il y a des gens que j'aime, qui n'ont pas peur du vent et pas peur de l'hiver, qui ont le cœur sur la main, même s'ils jurent et blasphèment en faisant couler la bière des Ardennes à la mer. Au calme sur un banc, dans un soleil bien pâle, j'écoute les enfants jouer autour du bassin. Je rentre à pied chez moi par la place royale, d'une fenêtre sort une valse de Chopin. Je lis tout ce qu'il y a à lire sur les affiches, sur les murs répugnants, le métro, les pylônes. Je gamberge en regardant l'eau sale dans les corniches. J'irai dimanche prochain au cinéma Vendôme. Mais c'est un beau pays où il y a des gens que j'aime, qui n'ont pas peur du vent et pas peur de l'hiver, qui ont le cœur sur la main, même s'ils jurent et blasphèment en faisant couler la bière des Ardennes à la mer. Toi je t'aime mais j'ai peur que la route te reprenne, que tu veuilles repartir et qu'un jour tu me quittes. Je t'attendrai ici, semaine après semaine, près de la grande roue et des baraques de frites. Je suis né au pays des fourneaux, des machines, où il y a des cheminées qui crachent un feu d'enfer, où le ciel est toujours gris de digues en collines, traîne sa mélancolie des Ardennes à la mer. Ma belle, je te rejoins bientôt. Aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs. Dans ma... Et alors, tu emmènes où? Là, au fond de la passe. Ah bon? Le cabaret aux chansons, c'est là-bas. Ma belle, Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel. Joli. Oui. Une fois de plus, de sa poésie, de sa musique et de son monde intérieur qu'on apprécie énormément parce qu'elle vous le communique par ses chansons, justement. Sous la lune, il y a des formes qui ondulent. Des ombres qui trépassent sur le petit mur d'en face. Les fenêtres, les fenêtres s'agitent quand ils pénètrent par les volets mal fermés, les mansardes et les greniers. Et les ailes des vieux moulins se souviennent des escarpilles.
Viennent ronger mon âme et broyer mon esprit. La nuit est une arène où des épées scintillent. Les mots restent muets, cloués au pilori. Privés peur, chaque soir surgissent des ridicules quand je montre mes sentiments. Lorsque sur toute la gamme je dis que j'aime une femme, ça dérange les bien-pensants, les soi-disant tolérants. Ça fait sourire quelques-uns, ceux-là ne comprennent rien. Ça fait rien, je suis bien. Suis-je ridicule quand je soulève mes 60 ans? Ça pèse lourd dans la balance, un demi-siècle d'errance, de galas et de galères, de tendresse et de colère. Ça fait sourire quelques-uns, ceux-là ne comprennent rien. Mais ça fait rien, je suis bien. Donne-lui le micro. De la part de Bob. Donne-lui le micro. De la part de Bob. C'est qui Bob? De la part de Bob. Actu TV, vous l'avez filmé. Et Actu TV est une émission que vous pouvez voir dans Internet. Avec ses félicitations et ses félicitations de nous tous, parce que tu nous as fait passer une magnifique soirée grâce à ta belle voix, évidemment, à la variété de ton répertoire et à l'intensité que tu as donnée dans tes textes. Merci, merci. Troisième bouquet, il n'y a plus personne en scène. Et moi, il y a moi. Ah, bon, c'est vrai, tu le mériterais, mais c'est pas pour toi. Suzanne, c'est pas pour toi, non. C'est pour une personne qui se trouve dans la salle dont nous fêtons l'anniversaire. Ah. Oui. Et elle s'appelle Poussin. Poussin, c'est la femme de Bob. C'est aussi son assistante pour la réalisation d'Actu TV. Je la connais pas. Mais vous allez la connaître, elle doit venir. Elle doit venir. Et elle a d'autres fonctions, dont une qui lui est très naturelle, c'est d'ensoleiller la vie de Bob. Et la vie en général. Et c'est pourquoi on l'appelle solaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors Irène, quand tu t'es lancée dans la chanson, tu as commencé par mettre en musique des poètes belges. Pas mal de poètes belges, mais nous ne citerons qu'André Soudenkamp. Ensuite, tu as écrit tes textes toi-même. Et, ben, mais tu as continué à mettre quelques poètes en chanson, puisque nous avons entendu ton texte sur Baudelaire et Rimbaud. Et après quelques prestations à Paris, qui ont eu beaucoup de succès, tu as décidé quand même de rester en Belgique et de te présenter surtout dans les cabarets. Là, quand je t'ai vue sur scène au début, tu étais toute seule avec ta guitare, en salopette et casquette gavroche. Puis tu as changé de tenue et tu t'es fait accompagner par ton ami Michel Chopard au synthétiseur. C'est pour ça que j'ai quitté la salopette. Mais je pense bien, je pense bien. Enfin, c'était pas si mal à l'époque. Hein? Non. Mais dis-nous pourquoi tu as préféré t'écarter du showbiz. Mais entendons-nous, c'est pas vraiment un choix. Il y a des choix qui se font tout seuls. Ça fait que dans le showbiz, ben, c'est pas tellement mon genre. C'est pas non plus le genre de texte. Disons que le showbiz, c'est plutôt de la chansonnette, à part évidemment quelques exceptions comme Ferré, des grands monuments. Mais c'est très difficile de percer dans ce milieu commercial, mercantile, en faisant de la chanson de quelqu'un, pas assez de bonnes chansons, c'est-à-dire des chansons qui veulent dire quelque chose. Maintenant, il y a, je ne sais plus, pas très bien l'actualité, mais il y a deux courants, c'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on entend à la radio, qui ne sont pas toujours ce qu'il y a de meilleur, mais il y a aussi ceux qui sont dans les cabarets comme nous,
Hein, je pense à Hugues, à Evelyne, à plein de gens qui circulent dans ce milieu, qui essayent de faire la même chose que moi. Et avec les petits moyens que nous avons, je pense que nous faisons déjà pas mal de choses. Suis-je ridicule quand je soulève mes 60 ans? Ça pèse lourd dans la balance. Un demi-siècle d'errance, de gala et de galère, de tendresse et de colère. Ça fait sourire quelques-uns, ceux-là ne comprennent rien. Mais ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Oh, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Je suis bien.